Hi guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Écoutez, petit vlog du mois de septembre. En fait j'étais tellement, mais tellement en train de profiter de mon été. En fait vous savez quoi, faut que je vous pose. Pourquoi il n'y a pas eu de vlog du mois d'août? Parce que les gars, j'étais trop occupée à profiter de mon été, je vous jure. Carrément je regrette de ne pas avoir vlogué, mais c'était impossible de vlogger, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas une minute pour moi, j'ai tellement kiffé mon été. J'ai commencé l'été en allant en Sardaigne, je suis allée le 2 août il me semble, le 2 août je suis allée en Sardaigne. J'ai trop kiffé sa mère, je suis allée avec un pote à moi de Béjaïa, etc. On se connaît depuis qu'on a genre 14 ans. Donc on a passé trop bonnes vacances à Sardaigne, c'était magnifique. J'étais pas allée sur Insta, je vous ai mis des stories à la une, etc. Ensuite, je suis rentrée, j'ai même pas passé une seule journée à Paris que je suis partie à Mykonos avec d'autres potes à moi. Mykonos, c'était incroyable. J'ai trop kiffé, on était dans une bête de villa, c'était une dinguerie, franchement. J'ai trop kiffé. On a trop rigolé, il y avait Danaï qui a été là-bas, elle m'a rejoint avec mes potes, etc. On a fait que sortir, que se reposer, que rigoler, franchement c'était trop bien. Les gens qui me suivent sur Snap, c'est pas me suivre sur Snap si vous ne me suivez pas sur Snap, parce que je vous montrais tout, il y avait tout et n'importe quoi sur Snap, je vous jure, c'était la cahier, c'était le zoo. Voilà, pour moi Snap c'est le zoo de mes réseaux, vraiment la neurène, nature peinture, et c'est trop drôle. Et après Mykonos, je pensais pas que j'allais passer d'autres vacances meilleures que Mykonos, tellement Mykonos c'était un level, hein. Fallait voir le level de Mykonos. Je pars au Liban, le 16 août je décide d'aller au Liban. Comme vous savez, je suis allée au Liban toute seule au mois de mai, j'avais rencontré des gens là-bas, ils m'ont dit de revenir en août et c'est ce que j'ai fait, je suis repartie. Et cette fois je suis pas allée toute seule, je suis partie avec Priscilla, Jean-Louis, Caroline et Alex, du coup le frère de Caroline. On était une équipe de 5, on a trop kiffé sa mère. Sur place il y avait tous mes potes que j'avais rencontrés en mai et on faisait que sortir. Guys, quand je vous dis que je rentrais à 7h du matin tous les jours, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc là les gars, ma vie va changer. Donc bienvenue dans le changement. Là je vous explique, je vais laisser mon appart à mes cousines vu qu'elles galèrent à trouver un appart et tout, et moi vu que je suis pas là, parce que demain votre go elle part à New York City. Dans un de mes vlogs j'y suis allée cet été en juin il me semble, c'était trop bien, et avec Richard on a été invité pour apprendre l'anglais. Donc ce vlog ça sera vraiment un back to school. Hello, are you ready to go to New York City? Oh my god, so excited. Oh my god les gars, c'est parti. Notre premier voyage ensemble aux États-Unis. Ah c'est vrai, ouais. Our first time. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte d'arriver. Qui voilà-je? Guys, on est arrivé à New York City avec monsieur Richard. Là on est dimanche, regardez nos gueules. Oh, voilà, est-ce que c'est, ça serait pas mieux comme ça? Parce par contre il fait tellement bon. Ouais. Dingue, le temps c'est une dinguerie. Franchement on s'est levé à midi parce qu'on a le jet lag. Sinon je pense que dans notre état normal on s'est réveillé genre à 17h. Là guys on va aller bruncher, donc on va où? Au métro. Ah, on prend le métro? Ouais, c'est vers Central Park le brunch. Ok. Ah moi tu vas y marcher 20 minutes? Ça a combien? Ouais moi je préfère. Tu veux pas marcher 20 minutes? Vas-y. Yes. Bon guys, en gros on est arrivé hier samedi pour du coup se remettre du jet lag, etc. Et demain on commence nos cours parce qu'est-ce qu'on vient foutre à New York City? Je vous explique. Richard a été contacté par Kaplan. Ouais. Ouais, est-ce que tu veux venir apprendre l'anglais et tout à New York City? Et il a dit, je suis chaude, je suis... Mais je dis, je ne peux pas venir tout sans seul. Sans moi. Donc il a dit... Faut que je mène ma balance préférée avec moi. Parce qu'en plus, on va fêter nos anniversaires ici, vu qu'elle est le 25 septembre et moi le 26. Mais Blair bien. Et Serena à New York. Par contre, t'es Serena, je te préviens. Je suis Serena, oui, je suis d'accord, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais moi, oui, j'adore Serena. En plus, moi. Je trouve que oui, c'est plus toi, Serena, moi je suis plus Blair. Bref, guys, donc là on va marcher, on va aller bruncher. Et dans tous les cas, je vais tout vous expliquer. On va devenir des étudiants. Bref. Back to school. Back to school, donc ouais, voilà. Ce vlog va porter sur le back to school. Viens là. Guys, il est 8h du matin, ça fait 1h30 que je suis debout. Je me suis préparée, premier jour d'école, donc back to school aujourd'hui. Oh my god, j'arrive toujours pas à y croire. La dernière fois que j'ai fait un voyage linguistique, c'était en 2014 à Malte. C'est mon premier voyage genre en dehors de l'Algérie, pendant que je vivais en Algérie quoi. Écoutez, je suis prête, j'arrive debout, donc je vais mettre un peu de parfum. Ça c'est mon parfum, ils sont tellement bons, genre à chaque fois que je le mets, les gens me disent mais waouh, je sens trop bon. Il vient de chez Kayali, on va au Starbucks, je fais mon petit sac d'écolière et c'est parti. Bon les gars, après avoir réveillé ce monsieur est en train de dormir. Écoutez, on est au Starbucks et on est très très en retard à notre premier jour de cours. Hi. Ils sont tous très sympas ici, dis donc, c'est pas la France. Et ici, regardez, ils bossent tous leur Starbucks ici, mais personne ne vole. En France, tout serait déjà parti, genre. Merci. Waouh, on est trempé sa mère, il pleut de ouf. Là on prend le métro new-yorkais. J'ai acheté cette petite carte, n'hésitez pas à faire la même chose quand vous venez pour une semaine, 10 jours, etc. J'ai payé je crois 30 euros et j'ai accès à tous les métros pendant une semaine. Et regardez mon make-up, franchement trop beau, on adore. Ça va.
J'ai mis mes lampes que j'ai achetées récemment. Elles sont trop belles, elles sont incroyables. Top, j'adore. Urban Outfitters. Mon amour. Suprême. C'est un pote à moi qui me l'a offert. Franchement, il est trop gentil. Et mon sac de chez Glacé. C'est la marque de Rondi. Il est incroyable, je l'achète tout le temps avec. Et à l'intérieur, bah, j'ai pris tout ce qui est cahier, etc. Et voilà. Vous entendez le bruit? Toutes les fenêtres sont fermées. Mais bienvenue à New York, guys. C'est insupportable. Tu ne peux pas faire de grasse matinée ici. C'est insupportable. C'est trop grave. En fait, il y a le congrès de l'ONU cette semaine. Et du coup, il y a trop de trucs dans ma rue. Vu que je suis à Lexington Avenue, donc ils ont tout fermé. C'est horrible. J'ai l'impression d'être dans un stade. Ça m'énerve carrément. Je pète un câble, trop de bruit. Bref, j'ai mon tel, on prend mon sac et c'est parti, on va au Starbucks. Deuxième jour à New York City et comme d'hab, guys, tous les matins, on fait quoi? Tous les matins, on vient au Starbucks. Je suis mytho parce que ce matin, moi, je suis allée à la salle à 7h30. Franchement, c'était cool. J'ai fait un petit rendez-vous avec Paris parce que bah à 9h30, il est 15h30 là-bas. Donc, j'ai fait un petit rendez-vous super productif. J'ai trop hâte de vous montrer bah, du coup, les prochains projets et tout et tout. Bah, là, écoutez, on va en cours. Hein. Oh, en cours, c'est trop bien. Non, franchement, c'est lourd de ouf. Et ah oui, hier, je vous ai pas filmé grand-chose parce qu'en fait, on n'a pas eu cours finalement. Notre premier jour de cours, c'est aujourd'hui. Hier, on est juste parti s'inscrire, visiter bah, du coup un peu l'école, etc. C'était grave cool. Le directeur, il est trop gentil. On a plein d'activités à faire avec eux cette semaine. Et après l'après-midi, je suis allée voir des potes que je connaissais du coup de New York. Et écoutez, là, promis, je vais essayer de tout vous montrer. Et voilà, c'est parti. Guys, on a fini les cours, j'ai pas pu vous vlogger, genre de ouf, parce que c'est interdit, genre d'avoir un téléphone dans la classe, genre. Oh, Cisa, elle est trop belle, regardez, elle est trop belle, Cisa, machallah. Et là, bah du coup, écoutez, on a fini les cours avec Richard, on a même pas pu s'asseoir. Oh là là, Vanessa. Vanessa, I can't, je peux pas te croire qu'on croise Vanessa, genre par hasard. Hi Vanessa, hey. C'est notre nouvelle friend de chez nos cours, genre, de Kaplan. Bah viens ce soir manger avec nous. Vas-y, je t'écris. À toute Vanessa. Bonjour. Attention, ouais, c'est une dinguerie. On a croisé Vanessa, genre, c'est notre pote de cours, genre. Posé à Central Park, très sympa. Manger nos meilleures pizzas. Moi j'ai pas d'eau, j'ai oublié mon eau. Merci. En fait j'ai fini tout mon eau. Moi je vous explique, je suis un puits. Genre je bois au moins 3 litres d'eau par jour, c'est une dinguerie carrément. Good morning guys, comment ça va? On se retrouve, je viens de revenir de la salle. Je suis habillée mais je suis toujours pas maquillée ni coiffée. Hier, je vous ai encore rien vlogué. Je vous explique, hier j'ai fait plein de TikTok, ok. Hier j'ai passé ma journée à faire des TikTok, des photos, etc. Avec bah, du coup mon pote Brian. Et là écoutez, je vais me maquiller, me préparer. Et après on se retrouve juste après pour aller au Starbucks. Ensuite encore, à toutes. I'm gonna take one pumpkin spice latte with venti. With oat milk, cream on top, 4 shots. I'm gonna pay by card. Tina? For me, thank you. Take care of. Yeah. Yes. Not to change yet. To change my clothes. To change, yes. Non, mais les gars, vous voulez rigoler? Ma copine, elle m'a offert une rose. Trop mignon. Bon les gars, c'est la pause et monsieur Richard est revenu. Ça y est, I'm back to school. Il a acheté son iPhone 15, c'est ça. Et il a fait 4 heures de queue. Pour ça, un téléphone. Pour un téléphone, si vous faites, c'est un malade. Après, c'est pour mon outil de travail. C'est son outil de travail. Et franchement, ça va manquer de venir en cours. Oh. On est venu hier. Hey Anna, you wanna say hi to my vlog? Hi. C'est notre pote Anna, elle est coréenne, elle vit à Busan. I love your flow. Outfit always. I love your outfit. Merci. Do you do the hurts like this? Yeah. Or like this? This is Korean. Korean art. Bon les gars, fin des cours, c'était trop bien. Là on est venu bah du coup manger nos pizzas comme d'habitude parce que elles sont vraiment excellentes. Genre je vous jure, si un jour vous venez à New York, venez manger ici. Ça s'appelle Farinella. Farinella et c'est à côté de Five Circle Columbus. Et franchement c'est trop bon. On est trop contents parce qu'on a eu bah du coup notre diplôme. Et lundi on va revenir pour faire notre test. C'est pas obligatoire mais vu que je vais trop savoir, je vais avoir combien, je vais trop revenir, lui il me connaît trop. Il m'a dit. Elle a vraiment des côtés sagittaires. Ah mais oui, je suis grave une compétitrice moi. Genre, j'ai grave. Si je suis pas première, ça va pas. En fait, je préfère être dernière que deuxième.
Bon les gars, on a fini de faire tous nos TikTok à Times Square, etc. Et j'ai fait des TikTok de fou malade. Franchement, la qualité, elle est excellente. C'est trop trop bien. Là, on est venu au Shake Shack avec Monsieur Richard. Et regardez ce qu'on a pris. Comme d'habitude, moi, je prends un chicken shake. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Toi, t'as pris quoi? Cheeseburger. Un cheeseburger. Sinon, il y a le schrumburger, c'est un truc végétarien. Les frites, incroyable. Notre anniversaire, c'est dans 2 jours. 3 jours. J'ai trop, trop, trop hâte. On va fêter notre ami. Là, ce week-end, on va faire du shopping. Beaucoup, beaucoup de shopping. Écoutez, bah, on se retrouve demain pour suivre encore nos aventures. Oh là là, guys. Est-ce que c'est le zbeul? Attendez, je regarde. Est-ce que vous voyez mon zbeul? Ouais, en fait. Vous voyez tout. C'est horrible. Vous voyez vraiment tout mon zbeul. C'est pas grave. Bref. Par où commencer? Today is my birthday! I'm so happy, je suis trop trop contente, guys, d'être à New York pour mon anniversaire. Merci mes bébés, c'est grâce à vous que je suis à New York, c'est grâce à vous que je fais tout ce que je fais bah, du coup au quotidien, donc merci beaucoup. L'année de mes 26 ans, elle était incroyable. Je pense qu'elle était quand même assez difficile mentalement par rapport à ma vie amoureuse, etc. Ma vie amicale était incroyable, je me suis encore plus rapprochée de mes amis, je me suis encore plus rapprochée bah, du coup de mon père, de mes sœurs. C'était que du positif dans ce côté-là, côté professionnel aussi, donc merci beaucoup, je suis trop 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 contente. Pour cette année, bah, je me souhaite beaucoup de santé, beaucoup de sport, continuer à faire du sport, beaucoup de taf aussi. J'aimerais bien avoir plus de travail, kiffer plus, créer plus de choses. Je pense que ouais, on va mettre l'année des 27 ans, on va dire, on va poser le mot création. J'ai envie que cette année soit créative, parce que 27, il y a le chiffre 7, c'est mon chiffre que je kiffe, genre 27 ans, créativité, création de plein de choses, business, vidéo, contenu. J'ai envie de vous créer tout ce que je peux créer. J'ai envie que cette année soit créative. Je vais aller me maquiller parce que je suis trop trop chum. Je vais aller mettre mes hugs parce que je sors comme ça, j'ai trop la flemme. Et écoutez, je vous prends avec moi et on va aller m'acheter plein de petits trucs. Yay! Ok guys, entre le rush d'avant et celui-là, je crois qu'il s'est juste passé l'ascenseur entre les deux. Et bah, du coup, je suis avec Richard et on a décidé d'aller se faire tatouer. Voilà, sur un coup. Ouais, moi c'est pas comme si je venais en faire 3 il y a 4 jours. Hein. Ouais, mais moi mon dernier tatouage, il date de l'année dernière, il me semble, avec Ryan. C'est mon petit citron. Ou non, même avant. Ouais, hein, ça fait 1 an et demi ou 2 ans. T'as fait avec qui le balance? Avec Drea. Bah voilà, Drea bah, le balance, citron Ryan, et là le nouveau avec moi. La bouclée. La bouclée. Non mais guys. Non, j'avoue, j'abuse. Est-ce que j'abuse? Mais non, t'abuses pas. J'abuse pas. Ok, l'influence. Ok, j'abuse pas. Oh my god, let's go. Ok guys, Richard, qu'est-ce que tu vas faire? Montre-nous tout. Soit là. Ouais. Ou soit là. Moi je préfère l'autre. Là hein. Ouais je préfère. Ah, il est petit quand même. Je pense plus gros. Je sais pas. Oh my god guys, c'est bon. Là je vais faire mon truc. Richard est en haut. Je suis avec Winnie. Hi Winnie. Et oh là là, j'ai trop peur. Donc je vais poser ma caméra. Je vous laisse. Écoutez, je vais me faire tatouer. Je vais me faire tatouer papa. Je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Je me suis dit c'est le truc le plus logique à faire et que je vais jamais regretter. Donc let's go. Ah, I'm not. Non, I'm not. Oh my god. Wesh, ça fait mal. Oh my god. Trop mimes, on adore. Oh, j'aime trop regarder le petit papa. Monsieur le tatoué. Le tatoueur, oui. Le tatoué. T'as montré mon grand tatou ou pas? Comme déshabillé. Ah non, je crois pas. On va vous montrer une petite photo du tatouage de Monsieur Richard. Vous voyez comme il est beau. Il est vraiment beau. Bon, là, j'ai un peu parce qu'elle vient de le faire, mais. Elle l'a vraiment bien fait. Hein. Elle l'a bien fait. Hein. Je crois que c'est un de mes préférés maintenant. Après le sablier et le. Et après le cœur, là. Ouais, après le cœur. Il est trop beau. Il est vraiment lourd. Bref, guys, là, on a Monsieur Richard qui a acheté un petit pull chez Glossier. Et regardez la queue pour Supreme depuis tout à l'heure. On fait la queue. Ça fait genre 20 minutes. Une queue tarlée ouf. Mais c'est trop grave. Une queue tarlée ouf, vraiment. Après une heure de queue, genre vraiment sans rigoler, on rentre enfin. Et voici le suprême. Coucou guys, on est trompés. Mais on est dans le métro. Et chamouillé, wesh. Ouais. Et on a acheté des trucs. Moi, j'ai rien acheté chez Supreme parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà tout. Pardon. Genre, non, en vrai, j'avais fait du shopping avec un pote à moi à Paris. Et j'ai acheté plein de pulls, etc. Bah, ceux avec lesquels vous voyez. Et mon pote, bah, Brian, m'avait acheté 2 casquettes quand il est allé. Et j'avais rien à acheter. Mais Richard, il a acheté un cargo. Ouais, j'ai acheté un cargo, un t-shirt et des baskets. Trop, trop bien. Et là, écoutez, on rentre pour se préparer pour nos birthday. Ouais. C'est elle, en fait. Et écoutez, voilà. Non, mais guys, je viens de rentrer. Regardez. Mais je peux pas vous croire. Allô, je ne peux pas vous croire. On respire. Je vous pose ici 2 secondes là. Même si je suis trop chum, c'est pas grave. Comment il sait que je suis là, wesh? Enfin, wesh!
Elle connaît pas mon hôtel. Bon, elle a ma loque, mais attendez, elle est complètement tarée. Les anniversaires, Nina, je te souhaite le meilleur dans ta vie. Tu es une personne Oh, je vais pleurer. Parce que Caroline, je la considère vraiment comme mon gars, genre c'est vraiment mon gars. Oh non, je vous jure, je vais pleurer. Guys, je vais couper parce que je suis en train de chialer depuis tout à l'heure. Je suis grave émotive et faut pas que je monte cette facette de moi. Donc, je vais aller ouvrir tout ça. Je vais aller me doucher, me préparer, être un peu belle pour mon anniversaire quand même. On se retrouve tout à l'heure. Bisous. Tadam. On a un petit peu glow up. On a beaucoup glow up. Moi j'ai glow up grâce à Richard. Il m'a trop bien maquillé. Regardez le make-up, la tenue, everything. Merci, regardez. Oh my god, we love it. Attendez, tout à l'heure je vous ai laissé. C'est pas, je suis rentrée et il y avait un bouquet de fleurs dans ma chambre. Donc Caroline me l'a envoyé. Ensuite, il y a une abonnée du coup qui est venue me voir. Et ensuite, attendez, ça c'est là le bouquet que mon abonné m'a offert. Incroyable, il sent tellement bon. Genre vraiment, je suis tellement choquée et je suis tellement heureuse de l'avoir rencontrée. Elle est trop belle. Genre vraiment je voyais sa peau. En fait elle me parlait, je regardais que sa peau. Tellement sa peau elle était waouh, glow genre fois 10 000. Elle est magnifique. De toute façon pour moi les plus belles femmes du monde elles sont noires. Donc du coup il y avait même pas de débat. Genre je savais qu'elle était belle. Voilà, il y a mon baby qui est arrivé. Mon baby Anaïs, la folle, la malade. Et regardez ce qu'elle m'a offert. Un bouquet de fleurs bleu, wesh. Genre guys, je suis trop émue. Genre j'adore les fleurs. Et mon bébé, elle m'a offert un bouquet de fleurs bleues. Non. Eh, je vous aime trop. Genre vraiment tous mes abonnés, tous mes amis, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Je vous aime trop. Vous êtes mes besties. I love you guys. Et maintenant, bah écoutez, direction le resto. Ok, let's go. C'est parti. Guys, on vient d'arriver au resto. Il est incroyable. Là, on a tous mes invités. Richard, Vanessa, Anissa, bon, Anaïs que vous connaissez. Et on a Anna et Eugene. C'est mes deux camarades de classe, bah du coup, coréennes. Et il y a Geoffrey qui vient aussi. Franchement, trop contente. Je m'attendais pas à avoir un anniversaire genre avec autant de monde, avec mes potes, des gens que je kiffe. C'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Je suis trop contente. Regardez la bouffe et tous les influenceurs qui se sont levés. On adore tous les influenceurs. Ah, il y a Geoffrey qui nous a rejoint. Hi. Ouais, franchement, c'est beau. Ils en dead. Ok guys, we just wake up at the lendemain de l'anniversaire. On est fatigué. Ah, je suis moi je pense jamais à vlogger. Ah, c'est ton vlog. Non, tiens. Ah, merci. Et on est explosé sa mère. On est fatigué. On est sorti jusqu'à je sais pas quelle heure, mais guys, c'est pas hier. On a eu de la chatte du début jusqu'à la fin. Oui, il s'est passé tellement de choses, genre. On arrive au resto. Déjà, le resto, il est incroyable. Anaïs, elle a dead le resto. Ensuite, on arrive, etc. Il y a tous mes potes, Decathlon, les potes, nos potes, tout le monde. Oh, et c'est mais pas... j'ai même pas tenu au courant mon pote hier. Et le pauvre il me demande depuis 3 jours les adresses. Je lui dis c'est bien. Il manquait quelqu'un. J'ai 3 jours, moi je lui dis oui, je te donne les adresses, j'ai rien donné. On va aller prendre des petits birthday cake parce que je vais me faire une photo sur Instagram. Voilà, pour mes 28 ans. Parce que là, ça y est, c'est aujourd'hui mes 28 ans. T'inquiète, t'es encore jeune. On est tous encore jeunes. Et comme je l'ai dit, Richard, c'est une chance de vieillir. Pardon, oui. En gros, hier, je lui dis, oh, mais tu te rends compte, j'ai 28 ans et tout. Je suis vieux, me fait ma vie. Mon oncle, il est mort à 28 ans. Là, tu t'en mode, mais pourquoi tu me dis ça? C'est pas du tout le moment de me dire ça. Et après, elle enchaîne en me disant, donc ça veut dire qu'il faut profiter de la vie est belle. Je lui dis, oui, d'accord, mais bon. J'ai dit, c'est une chance de vieillir. Oui, voilà, ouais.